3 12e accueille la CIA Ajaccio 18e. Les Troyens ont réussi une victoire pour 2 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils restent pourtant bien classés. Mateusz Lis, le gardien polonais, a été choisi à la place de Gauthier Gallon. C'est son premier match en Ligue 1 Uber Eats. Ronny Lopez, Baldé, Ripard sont titulaires en attaque. Salimé est suspendu. Côté Corse, Diallo et Bayala sont suspendus. Mais Marchetti, Nouri, Moussi Tioko et El Idrissi sont titulaires pour essayer d'aller obtenir un résultat à l'extérieur. Les joueurs d'Olivier Pantaloni ont réussi 2 victoires pour une seule défaite sur les 3 derniers matchs après 5 défaites de suite. La situation s'est améliorée pour le promu. Première possibilité pour l'équipe corse avec Moussi Tioko. Le ballon n'est pas bien rabattu vers le cadre. Mais c'est une première offensive suivie d'une autre. La balle dans la surface, la bousculade et le pénalty en faveur de la CIA Ajaccio. Une très belle chance de marquer le premier but de la rencontre. Il reste une dizaine de minutes dans la première période. Riyad Nouri s'élance, mais c'est sauvé par Mateusz Lis pour son premier match en championnat en France. Le gardien polonais sauve un pénalty. Très belle performance. Ça empêche le but de la CIA Ajaccio, 0-0 à la mi-temps. Bruno Irles décide de lancer Palmer Brown à la place de Laroussi pour la seconde période. Côté Corse, Barreto remplace Spadanouda. Youssef Belaïli est arrivé à la CIA Ajaccio. Contrat rompu avec Brest. L'équipe Corse l'a récupéré et espère bénéficier de son talent. Pour l'instant, il est sur le banc. Nouvelle attaque pour la CIA Ajaccio avec ce tir de Koné. C'est encore sauvé par Mateusz Lis. Ajaccio attaque, 3 contre, le bon ballon de but pour l'Estac, et ça va au bout pour Jackson Poroso. Le défenseur équatorien marque le but du 1-0 à la 76e minute, son deuxième but de la saison, bien lancé par Ronny Lopez. Incroyable contre-attaque, l'équatorien va au bout et 3 mène au score, mais Belaïli est entré sur le terrain une minute auparavant. Il espère se montrer. Et l'international algérien fait déjà des différences. Superbe série de dribbles. Ça ne va pas au bout. Première séquence de qualité pour l'ancien Brestois. La CIA Ajaccio insiste pour égaliser. 88e minute. Belaïli efface plusieurs joueurs. Centre, le ballon est repoussé par un défenseur directement sur Mounaïm El Idrissi. L'égalisation de la CIA Ajaccio à 2 minutes de la fin. Un partout. Deuxième but de la saison pour Mounaïm El Idrissi. Et l'impact déjà de Youssef Belaïli. Le talent de l'Algérien est connu. Il le montre tout de suite dans cette prestation de qualité. Un bon quart d'heure. Et cette passe presque décisive, si ce n'était le ballon dévié par le défenseur. La CIA Ajaccio insiste même pour remporter le match, pour renverser le score en toute fin. La reprise de la tête, mais c'est sauvé par Lis. Pas de but supplémentaire dans cette rencontre et pas de vainqueur. Un partout entre Troyes et Ajaccio.